Je dis à Tata Doudou ici maintenant mes sincères condoléances. Mémé, je connaissais quand même Mémé. Mémé est décédée. Mes condoléances, Tata Doudou. Sois forte. Je sais comment est-ce que tu aimais Mémé. Je sais comment vous l'aimez beaucoup. Mes sincères condoléances. Organise seulement, tu nous tiens au courant. Tu sais que je ne peux pas te lâcher sur ce coup-là. Mes condoléances, Tata Doudou. Mes sincères condoléances. Qu'elle aille se reposer en paix. Tout ce qui reste à faire, c'est la prière. Bon, j'espère que Perle de Luxe est dans la salle. Vous l'avez convoqué. Je l'ai convoqué ici aujourd'hui. J'ai convoqué Perle de Luxe. Et ne prenez pas ça pour un clash. Perle de Luxe a dit, j'ai suivi son direct jusqu'à la fin. Personne ne m'a envoyé le direct. Ce matin, je me suis réveillée comme d'habitude. Ou tu vas d'abord dans la chambre, je finis et puis tu reviens. J'ai écouté le direct de Perle de Luxe, mot pour mot. Elle a dit que il faut qu'on me dise souvent des vérités. Il faut dire les vérités à celui que tu aimes. Perle de Luxe, moi je veux te dire les vérités aussi. C'est pas un clash. Tu es une petite sœur. On va aller terre à terre et pas à pas. Tu discutes le titre de blogueuse, apparemment. Je ne discute pas le titre de blogueuse. Je discute le titre de la maman des orphelins. Je discute le titre de celle qui est venue sur la toile combattre, bagarrer nuit et jour pour la valeur de la femme. Je ne discute pas le titre d'être blogueuse. Et je ne discute pas le titre des vues ou pas vues. Je ne discute pas ce titre-là avec quelqu'un. Si tu discutes le titre d'être blogueuse, que vous discutez le titre, que pourquoi c'est l'autre qu'on met toujours devant, pourquoi c'est pas l'autre qu'on met devant. Qu'est-ce que toi donc, en tant que blogueuse, moi je te traite en tant que blogueuse, qu'est-ce que tu as fait comme une blogueuse peut faire qu'on a vu? Je suis une blogueuse reconnue mondialement. Je ne suis pas seulement connue dans le monde du Cameroun ou rien que dans le monde de l'Afrique. Je suis connue mondialement. J'ai fait, on a vu. Je suis passée. J'ai une étiquette aujourd'hui. Quand on parle de moi, on dit la maman des orphelins. On dit la fille qui a l'habitude d'aller faire des dons. On ne cherche pas à savoir comment j'ai fait pour aller faire les dons, mais je suis allée, on a vu. Je suis Bassa Bakoko, je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Je ne suis pas là pour dire que Bassa, Bamleke, Betty, je ne suis pas dans ce jeu, dans ce game-là. Moi, je ne marche pas comme ça. On va commencer par mon grand frère Jean Lumessant. Que toi-même tu as, il n'est pas Bamleke. Jean Lumessant est Bassa. Tu l'as clashé ici. Il était Bassa, il était Bamleke, il était Betty, il était Boulou, il était quoi? Mais tu l'as clashé. Toi qui dis que toi, Bassa d'abord, ou que tes gens d'abord, tu as clashé le grand frère ici. C'est mon grand frère. Ce n'est pas les grands frères des réseaux sociaux, c'est mon grand frère, Jean Lumessant, c'est mon grand frère. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je dis que c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Donc quand il parle, j'écoute. Même si je n'écoute pas à 100%, j'écoute quand il parle. Quand tu viens dire qu'on a insulté mon grand frère, je n'ai pas parlé. Mais tu me fais rigoler. J'ai fait un direct où j'ai dit que voilà. Ma copine, même sa femme a interdit que moi je fasse ce direct encore du clash. Donc là où je fais mon direct là, elle va m'excuser. Parce qu'elle est fière de moi en ce moment. Elle m'a dit, je ne veux plus que tu fasses des directs de clash. Quitte derrière tout ça, tous les jours, la femme de Jean-Luc me sent. M'embrouillait toujours par rapport à ça. Aujourd'hui, elle est contente. Quand vous parlez que nous, nous sommes les tribalistes, nous sommes les haineux, nous sommes les ceci, machin, que Bassa a fait que. Est-ce que tu sais
que la femme de Jean-Luc Messin, ils ont leurs, elle a son association qu'on appelle, les femmes gracieuses. Je crois que sa secrétaire, c'est une fille bambliquée. Il y a des filles bambliquées. Elle avec des filles bambliquées. Ses amis sont des filles bambliquées. Arrêtez-nous vos histoires là. Ne nous amenez pas dans votre game là. Tu veux discuter ton titre de blogueuse? Tu veux discuter ton titre de bassa? Fais-le. Mais ne me cite pas dedans, s'il te plaît. Je ne veux pas rejeter mes enfants bambliquées. Je ne veux pas rejeter mes filles bambliquées. Je ne veux pas rejeter mes beaux-fils bambliquées. Je ne veux pas rejeter mes beaux-frères bambliquées. Pour ta gouverne, j'ai des enfants chez les bambliquées. J'ai des enfants chez les bambliquées. Oui. Pour ta gouverne. Je suis venu sur la toile ici faire un combat. J'ai combattu une place. J'ai été attaqué mystiquement. Tout le monde a vu comment j'étais en train de finir. Parce que tu dis que je suis en train d'assombrir. J'assombrissais vraiment. Je finissais à petit feu. Où étaient les bassas là? Qui était là? Quand je me battais, tu étais où? Toi, la petite perle, tu étais où? Pour venir combattre. Tu ne viens pas. Il y a une ici qu'on appelle non événementielle qui m'insulte matin, midi, soir, jusqu'à insulter mes entrailles. Je suis ta soeur, ma soeur alors. Mais tu allais t'asseoir dans cette maison. Tu as mangé. Tu as fait des directs. Tu étais là-bas, tu étais contente. Quand ça t'arrange, pourquoi vous voulez pousser les gens dans le trou? Je ne mange pas de ce pain-là. Tu es Bassa, tu dis Bassa d'abord, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est ton choix. Mais n'entraîne pas les gens dedans. Tu sais très bien que sur la toile, comme tu dis toi-même, que c'est un game. Si c'est le game, j'ai une nouvelle vie. La vie que j'avais avant, ce n'est plus la même vie que j'ai aujourd'hui. Donc il veut dire quoi? Que si avant je clashais pour un oui, pour un non, aujourd'hui, ce n'est plus cette vie-là que j'ai. Je suis en train de me redresser comme on redresse un enfant. Et je tiens à te dire aujourd'hui que quand mon grand frère, on l'insulte ou qu'on n'insulte pas, lui-même, est-ce que ça le dépasse de prendre son portable et poser, répondre à qui veut? Est-ce que vous savez même que il a fait un direct, je crois samedi, vous savez les appels que j'ai reçus? Parce que lui, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il sort, c'est toujours la cata. Quand il sort, c'est les bombes. Alors si tu dis qu'on l'a insulté, toi-même tu es la première déjà d'avoir l'insulté. C'est un bassa. C'est un bassa, 100%, un gros bucoc. Un bon du bucoc. Bassa. Mais toi, tu l'as traité déjà ici. Si toi, tu commences à insulter les tiens, les autres vont faire comment? Quand tu viens, je ne suis pas une enfant qu'on va manipuler. Quand tu parles de la manipulation, de qui est déjà venu sur mon mur me commander ou me donner des ordres? Moi, m'allais pas perpétuer. J'ai toujours fonctionné une place. Tout le monde le sait. La seule fille Bassa qui a tenu tête, que je l'ai combattue physiquement comme spirituellement, qui était là? Tu étais déjà là, tu nous voyais. Tu dis que tu es une blogueuse. Tu discutes le titre. Mais celles qu'on dit qu'elles sont les premières, les Nomba ou Nola, c'est parce qu'elles se défendent. Elles se battent pour être toujours à la première classe. Si je veux être la première ou la dernière, je serai. Mais pour moi, je sais dans ma tête que je suis déjà un la Nomba Uno. Il n'y a pas mon pareil. Nous tous, toi-même, tu peux être la Nomba Uno. Toi-même, tu peux être cela, mais n'entraîne pas les gens dans ton rythme, non. Je suis désolé, je ne suis pas la qualité là. Que tu m'as dit que tu veux me manipuler en disant que, oh, on a insulté Jean-Luc Messin, oh, les bambliquées font aussi ça. Je suis désolé. Je suis désolé pour toi. J'ai toujours dit ici que moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Et on ne me monte pas. Je fais quand j'ai envie de faire. Quand je veux me nerver, que je dis que je veux donner un droit de réponse ou que je veux parler, je parle. Personne ne m'intimide. Vous savez que je suis une fille très têtue. Ici, plus têtue que moi, il n'y a pas.
Mais je décide de changer. Je décide d'être aujourd'hui ce que je suis. Quand je viens dire, par exemple, que oh, je vais aller bagarrer, je fais parfois ça pour animer la galerie. Je fais ça pour animer la galerie. J'ai fait une promesse à mes enfants, à ma fille. J'ai fait une promesse avec la personne avec qui je suis en ce moment. Si vous, tu es avec tes enfants à la maison, non? Tu as un homme avec toi, non? Qui? Quelle est la femme qui n'aimerait pas être comme ça? Qui n'a pas envie d'être comme ça? Quel est l'homme qui va entendre, qui marche avec sa copine dans la rue, on dit que celle-là, c'est une bagarreuse? Qui? Donc moi, je vais me mettre, je prends mon téléphone, dès qu'on a insulté, je vais m'asseoir pour avoir la visibilité. Parce que Perle de Luxe a dit que nous sommes manipulés, nous sommes ceci. Qui manipule qui? Là, quand tu veux me parler comme ça, là, si je suis une enfant bébête, je vais venir dire que oui, hé, elle a dit quelque chose, donc je vais aller clasher parce que non. Je suis désolé. Nous sommes des grandes personnes. Et je tiens à te rappeler que je suis une blogueuse reconnue mondialement. Ce n'est pas seulement dans la communauté camerounaise. Tu entends, vous entendez quand je parle souvent de la milliardaire, milliardaire. Elle n'est jamais camerounaise. Mais elle me suit. Elle me soutient. La milliardaire n'est pas une camerounaise. Du tout. Mais j'ai été ici, dans la merde. Je n'ai pas vu une bassard. Venez me tendre la main. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu étais où quand on se moquait de moi ici? Quand on m'insultait un gringa? Quand on me traitait de tous les noms? Tu étais où à ce moment-là? Quand ça t'arrange, je vais venir parce que Flore a fait un truc. Je vais venir dire à Flore, oh, c'est fini ça. La manipulation là, c'est terminé. Je suis plus dans ça. Je dis, j'ai des enfants bamlékés. J'ai des beaux-fils bamlékés. J'ai des beaux-frères bamlékés. Alors, qui dit bamléké, dit maléma perpétue. Celui que ça énerve, il saute, il ne cale pas en l'air, il descend, son pied se casse. J'ai dit ça. J'ai vu un jour, un bassa venir dire que, oh, vraiment, maman perpé, ouais, comment tu vas? Mais tout le temps, comme là, je suis malade là. Mon téléphone, si ça sonne pour demander comment tu vas, c'est les filles bamlékées qui m'appellent. Je ne les jette pas les fleurs. Je n'ai peur de personne. Puisque Flore, c'est une fille bamlékée, je l'ai combattue pendant combien de temps ici? Pendant combien de temps je me suis bagarré avec Flore? Nos familles souffraient. Sa famille souffrait, ma famille souffrait. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps, vous pouvez me dire? Donc, à venir dire, les premières personnes qui me combattent, même sur la toile, c'est les filles Bassa. Puisque quand Flore et moi, on était dans les problèmes, j'entendais, c'est les filles Bassa qui appelaient pour m'insulter. Qu'est-ce que tu veux nous dire, même là, que tu dis que il faut qu'on nous dise des vérités, il faut que. C'est n'importe quoi, ça. Je suis désolé. La première personne à me combattre sur la toile, c'est les filles Bassa. C'est les filles Bassa les premières à me combattre. Celle qui peut me donner le poison aujourd'hui, c'est une fille Bassa. Tu t'es levé, tu es allé chez une qui a insulté ta soeur, ta grande soeur, qui m'a traité, insulté mes entrailles. Insulté mes entrailles. Insulté mes enfants, me traiter de tous les, de moins que rien. Tu es allé chez elle manger. Donc toi-même, tu peux me donner le poison. Tu es ma soeur Bassa, non? Hein? Tu es ma soeur Bassa, non? Mais tu es allé là-bas? Ou bien? Alors que toi, je t'ai vu ici un moment, quand tu dis que tu venais, tu veux me venger. Quand ça t'arrange? Parce que les histoires que tu dis que tu venais me venger, je partageais tes directs avant. J'ai arrêté de partager tes directs quand je t'ai vu aller là-bas chez la non-événementielle. J'ai dit que, hey, le poison ne peut pas venir de loin. Ça vient toujours de tes gens à côté. Qu'est-ce que tu vas me donner comme réponse là? Que tu es allé là-bas par rapport à quoi? Moi, je me méfie de tout le monde. Je préfère me méfier d'un bassa que de me méfier d'un bamléké. Je suis désolé, je préfère le dire comme ça. Parce que je vous ai toujours raconté ma vie en France. J'ai souffert en France. J'ai dormi dans les métros. J'ai dormi dans les arrêts de bus. C'est les bamlékés qui m'ont mis en haut et qui m'ont élevé. Donc, moi, je n'entre pas. Je ne mange pas de ce pain-là. Non. Il ne faut pas me manipuler. Déjà, on ne me manipule pas. J'ai eu mon combat ici. J'ai combattu. J'ai combattu pour l'image de la femme.
Il y a une en ce moment qui montre au monde que le métier qu'elle fait est le bon métier. Va combattre là-bas. La petite là qui aime la carte bleue qu'on paye pour la prostitution et tout ça. Je ne suis pas une prostituée. Il faut aller combattre de ce côté-là. J'ai combattu ça ici, ça m'a dépassé. J'ai combattu ça ici matin et soir. 24 sur 24. Pour dire que la femme africaine n'est pas seulement une prostituée. La femme africaine, c'est une battante. La femme africaine, c'est celle qui se lève le matin, qui va laver le sol, qui est avocate, qui est médecin, qui est tout. J'ai combattu ça ici. Qui était avec moi pour m'aider à combattre? Est-ce que tu peux me dire, Perle, s'il te plaît? Parce que c'est bien beau de venir s'asseoir, discuter le titre de blogueuse. Et je tiens à te rappeler un truc. Pour avoir, si tu veux être vraiment aussi, avoir la visibilité. Tu as une carte bleue, non? Personne, que ce soit Flore. Flore n'empêche à personne de prendre le titre de meilleure blogueuse. Elle n'empêche à personne parce que ce n'est pas elle qui dirige ton téléphone. Ce n'est pas Flore qui paye tes gigas. Alors tu prends ton téléphone, si tu veux être la meilleure blogueuse du Cameroun, parce qu'apparemment, c'est ça qui vous importe. Meilleure blogueuse du Cameroun. Tu prends ton téléphone, tu prends ta chaise comme d'habitude, tu mets, tu prends ta carte bleue, hein, tu payes tes vues. Tu payes tes vues. Parce que j'ai comme impression que vous êtes à la conquête de la visibilité. Mais ça ne c'est pas comme ça qu'on mérite la visibilité. Parce que là, tu discutes. La visibilité. Tu discutes à être blogueuse. Tu insistes qu'on cite trois blogueuses. Moi, ici, j'ai toujours cité deux blogueuses. Moi, j'ai toujours cité deux blogueuses. Toi, tu as cité alors trois ou quatre blogueuses. Et tu dis que tu es une blogueuse. Bon, dis-moi, depuis que tu as commencé à faire les directs, que tu te sens blogueuse, qu'est-ce que tu as fait au pays Bassa? Au village Bassa. Parce qu'une blogueuse, c'est la publicité. Une blogueuse, c'est la propagande. Une blogueuse, quand elle va donner quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on soit au courant qu'elle a donné. C'est ça la blogueuse. Une blogueuse, quand elle va envoyer le pain au village, il faut qu'on soit au courant qu'elle a payé le pain au village. Parce que ça fait partie du game. C'est la propagande. Alors moi, je n'ai pas encore vu, depuis que tu es blogueuse, je n'ai pas encore vu vraiment ce que tu as fait en tant qu'une blogueuse. Tu as rassemblé qui? Tu as rassemblé quoi? Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'une blogueuse? Il faut que tu me le dises, s'il te plaît. Excusez-moi, je m'écoute. Mon Dieu, ça me fait mal à la tête. Il faut que tu me dises. Parce qu'être une blogueuse, ce n'est pas se lever parce que tu fais des directs. Il faut amener un plus quand même. J'ai dit que, regardez, je suis allé en Kondengi. Il y a combien d'années? Ça fait combien de temps? C'est déjà dans les oubliettes. Mais partout où je veux passer, ça ressurgit. Ça ressurgit. Mais toi, les gens travaillent leur image. Les gens travaillent leur image. Nous tous, nous sommes des blogueurs maintenant sur la toile. Tout le monde est blogueur. Il suffit que tu prennes ton téléphone, tu poses, que tu as un peu de temps libre. Tu fais ton direct. Mon grand frère me sent. Le week-end, il n'y a que le week-end qu'il est libre. Puisqu'il travaille la semaine. Mais tu l'as insulté ici. Il ne t'a jamais calculé. Il ne sait même pas si tu fais même des directs ou pas. Il ne te connaît même pas. Mais je tiens à te rappeler que sa femme a subi ici. C'est une Bassa. La femme de Jean-Luc Messant, c'est une Bassa. Elle a subi tous les injures, les humiliations ici. Mais je ne t'ai pas vue. Tu étais où en ce moment-là, toi, la blogueuse Bassa? Tu étais où? Ce n'est pas nos soeurs Bassa et nos frères Bassa qui se retournent encore contre nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez même finalement? Vous voulez la guerre? Moi, je ne veux pas dire que la haine. Vous voulez la guerre? Vous envoyez vos pions devant? Vous restez derrière? Oui, Flora a insulté me sang. Elle n'a pas répondu. Tu es aussi Bassa?
Tu pouvais répondre. Pourquoi tu n'as pas répondu, toi? Tu pouvais bien répondre aussi. Puisque tu es la blogueuse la plus courageuse, la plus véridique. Alors, tu prenais ta caméra, tu posais et puis tu disais à Flore ses vérités. Mais non, toi-même tu es venu, tu as plutôt insulté le grand frère. Si pour vous, la tribu Bassa passe avant, moi j'ai mes enfants. Vous allez mettre Mbo où? Vous mettez Mbo où? Mbo est Bamleke de père et de mère. Parce que sa mère n'est pas Bakoko. C'est une Bamleke. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-moi cette petite manipulation. Arrêtez-moi cette manipulation-là. Il y a plein de débats là sur la toile qu'il faut débattre. Il y a des gens qui salissent l'image de la femme africaine. J'ai combattu ça ici. Vous voulez être blogueuse? Prenez la relève. Il y a des femmes qui font la propagande de la prostitution sur la toile. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en dis? Comme toi, tu ne mâches pas tes mots. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà les débats que tu dois prendre. Dis que la femme camerounaise, la femme africaine, ne doit pas seulement venir faire la propagande de la prostitution sur la toile. Que la femme camerounaise, c'est des femmes qui sont ambitieuses, qui font des grandes choses et qui sont des entreprenantes. Tu peux parler de ça? Hein? Mais pour vous, c'est que non. Flore prend le dessus. Mais si elle prend le dessus, c'est parce qu'elle combat, elle travaille ça. Flore travaille sa personnalité. Flore travaille sa persévérance. Alors si moi, on dit que les pages maintenant sont payantes et que moi, le fait des directs à la con, je dors ou je fais ce que j'ai à faire, je ne vais pas venir en vouloir Flore. Je ne veux pas dire qu'elle ne commande personne. Flore n'en a pas le monopole des réseaux sociaux. Quand Zuckerberg nous a coupé dernièrement, tout le monde était dans la dèche. Est-ce que c'est Flore qui dirigeait? Elle a le même droit comme nous tous sur les réseaux sociaux. Elle travaille pour avoir sa visibilité. Pourquoi toi, alors que me voici, je suis à plus de 1000 vues là. J'ai payé ça? Non. Quand vous appelez que ma visibilité a baissé, il y a des débats que les gens aiment bien. Il y a des débats que les gens adorent. Il y a des débats comme quoi je vais venir parler, par exemple, décembre est déjà proche. Il faut qu'on passe à envoyer les jouets aux enfants, aux orphelins. La visibilité baisse. Ne veut pas dire. On dit souvent, quand tu vois quelqu'un qui a 10 vues et celui qui a 30 vues, c'est celui qui a 10 vues qui a les vraies personnes. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Vous qui êtes toujours en train de dire que ma visibilité, ma personnalité, ma quoi en train de baisser. Je ne fais la compétition avec personne. J'ai fait les compétitions. C'est fini mes compétitions. Aujourd'hui, Flore est ma soeur. Si j'ai un conseil à demander, même, je peux l'appeler. Je lui dis que ma copine, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Pensons à nos familles. Parce que moi, ma famille, ils sont sincères pour cette paix. Ils sont très contents. Parce que quand on nous lynchait ici sur la toile, quand on nous lynchait, Perle, tu n'étais pas là. Perle, quand je faisais du 36-34, tu n'étais pas là. J'ai combattu ici pendant longtemps. Et les vraies personnes qui me suivent, c'est les filles Bamleke. Qui m'appelle. Donc, s'il te plaît, ne m'entraîne pas dans ça. Ne m'entraîne pas dans ça. Tu es heureuse chez toi, tu as ton mari, tu as tes enfants. C'est aussi cette vie que je souhaite pour mes enfants. Vous ne savez pas que les réseaux sociaux-ci, ça nous amène. Ça nous amène.
Voilà l'autre là aujourd'hui. On a enlevé ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est venue s'exhiber sur la toile. Voilà les conseils. Il faut leur donner les conseils. Tu veux être une blogueuse? Ça, c'est le rôle d'une blogueuse. Ce n'est pas d'être seulement une histoire de politique. Oh, que les bamis. Et quand tu parles de bamiké, tu appuies les bamis. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne mange pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux être une blogueuse? Prends la place d'une blogueuse. Ne prends pas la place de tribalisme que des tribus. Non. Une blogueuse ne fonctionne pas comme ça. Une blogueuse est accueillante. Elle embrasse tout le monde. Une blogueuse est avec tout le monde. Donc, je suis désolée pour toi de dire qu'on a insulté mon grand frère. Je ne suis pas venue intervenir. Sa femme même m'avait interdit. Sa femme m'a toujours dit. Je ne parle pas des rêves, je chante et parle ici. Hoa. Sa femme m'avait dit. Elle m'a toujours donné des conseils. Quand même le poste que j'ai fait là, elle m'a dit que ma fille, ma belle-sœur, s'il te plaît, quand elle voit un poste que je fais, qui est un Jacques, elle sent que je vais venir, elle m'appelle. Elle n'est pas dans les machins là. Elle m'appelle, elle me dit que, s'il te plaît, tu es bien parti là. Mais ce que moi j'ai envie de demander à Perle aujourd'hui. Perle a dit Bassa, d'abord. Perle, le grand frère Jean-Louis Messant et sa femme, c'est les qui? C'est les Betty? C'est les Bafia? C'est les quoi? C'est les Bassa? Je t'ai jamais vu prendre ta caméra pour intervenir pour eux quand on allait un chien. Hein? Jamais, hein? Au contraire, moi, je t'ai vu prendre ta caméra où tu as manqué de respect au grand frère. Oui? J'ai vu que tu as pris ta caméra, tu as manqué de respect au grand frère. Et c'est les vous, là, qui voulaient les traiter des tribalismes. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Moi, je n'ai pas froid au dos. Je n'ai peur de personne. Je suis une noble Dieu, fille Bassa, fière d'être, mais qui dit que mon combat ici, la plupart des filles qui me combattaient, qui me dénigraient, qui appelaient dans les directs d'une fille Bamléké, c'était les filles Bassa. Qu'est-ce que vous... Ben oui, c'était les filles Bassa. Il y a la cousine même de mes sangs qui l'a renié, c'est les parties avec les Hamout. C'est une Bassa. Elle a renié son frère. Elle est partie avec les Hamout. Et Flore. Qu'est-ce que tu dis alors de ça? Est-ce que c'est pour autant qu'il est venu faire un direct pour dénigrer une minorité de Bassa? Non? Non? Il faut nous arrêter ça. Il faut nous arrêter ça, s'il vous plaît. Quand tu défends le titre de blogueuse, le titre de blogueuse a son rôle. Alors, tu veux ce titre? Bats-toi pour l'avoir. Tu veux être connu? Bats-toi pour être connu. Oui. Parce que voilà mon neveu, Samé. Samé, bah ça, ma coco. Mais... il y a les Bassa qui lynchent souvent sa mère. Et sa mère est avec tout le monde. Sa mère ne choisit pas. C'est ça qu'on appelle un blogueur. C'est parce qu'il ne veut pas prendre son titre de blogueur. Il veut prendre le titre de clasheur. Mais sa mère, c'est un blogueur. Parce qu'il amène aussi sa part dans la société. On voit quand sa mère va au Maroc, dès qu'on envoie quelque chose pour manger, il va partager aussi. Avec ses prochains. Alors, si tu veux prendre le titre de blogueuse, bats-toi. Tu veux le brassard, bats-toi. Bats-toi pour prendre le brassard. J'ai entendu, vous avez parlé d'une petite là qu'on dit que... elle écrit bien ou je sais pas.
Elle, je l'entends souvent parler. Elle a ses préférences. Mais ne veut pas dire que je vais venir la dénigrer. Elle a ses préférences sur la toile, là. Elle a ses préférences. Elle cite souvent les noms de ses préférences. Elle est en train de se battre pour prendre un titre. Fais comme elle. Chacune a sa façon de se battre. L'autre se bat en venant dire que voilà, la prostitution, c'est le meilleur métier au monde. Si demain on la traite de blogueuse, c'est parce qu'elle est en train de se battre. Dans son truc de prostitution, elle donne des conseils aussi à ceux qui aiment bien ça. Hein? Voilà. Quand mon grand frère a dit que les prostituées étaient montées, elles étaient descendues, qui est venu intervenir? On a seulement vu une prostituée venir intervenir alors qu'il y a beaucoup de... Laissez-moi boire. Quand vous dites que je me fais manipuler, je suis devenue l'antinda de Flore, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Je sais pourquoi vous le dites. Vous le dites parce que vous n'aimez pas la paix, en fait. Vous n'aimez pas la paix. Je vous entends faire des directs. Oh, tu es devenu le toutou de Flore. Mais vous savez ce qu'on appelle toutou? Hein? Vous savez ce qu'on appelle toutou? Est-ce que c'est elle qui prend mon téléphone maintenant de poser, venir dire ce que je suis en train de dire là? Elle est même au courant que je suis en direct? Non. Elle n'est même pas au courant. Flore a fait un direct où elle a clashé mon grand frère. Je l'ai recadré en lui disant non. Si tu dis que toi et moi on a fait la paix là, mais sans, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon camarade, c'est mon grand frère. Donc, qui veut dire quoi? Pour une grande personne, si tu clashes mon grand frère, ça veut dire que tu me clashes. Tout le monde a apprécié. Donc tu voulais que, comme on dit que je suis une illettrée là, comme elle a clashé, je viens m'asseoir, je commence à l'insulter. Insulter, ce n'est pas comme ça que ça marche. Même mon grand frère ne peut pas être content, d'accord avec moi. On dit toujours, une fois, deux fois, troisième fois, c'est là qu'on comprend que non, cette personne n'est pas pour la paix. Cette personne veut vraiment les problèmes. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Donc, Perle, je tenais à te dire que, ma chère petite sœur, si tu veux le titre de Flore, parce que j'ai comme impression que vous discutez, vous discutez la position de Flore. Parce que vous êtes toujours en train de dire que pourquoi c'est toujours Flore qui va être représentée. Est-ce que vous êtes allé, on ne vous a pas représenté? Flore travaille son image. Allez travailler vos images. Je ne suis pas une suiveuse. Moi, je ne suis pas une suiveuse. Si j'étais une suiveuse, il y a eu deux événements que Flore m'a invité. Il y a deux événements qu'elle m'a invité. J'ai dit que je ne fonctionne plus pour faire plaire ou pour faire plaisir. Si j'avais seulement 100 euros là-bas, je partais. Mais je ne peux pas me lever comme ça. J'ai mes enfants ici. J'ai une nouvelle vie. On me demande que tu pars où. Je dis que oui, je m'en vais parce que on dit que les blogueuses, je cours, je m'en vais. Ah non, je suis désolée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, maintenant, tu veux donc avoir ce titre-là. Vas-y. Puisque toutes ces personnes-là sont accessibles à tout le monde. Moi, par exemple, les gens m'appellent ici, d'autres, vous avez vu la dernière fois, quelqu'un m'appelle même dans mon propre direct pour me manquer de respect. Une autre blogueuse comme ça l'aurait raccroché. Mais moi, je donne la possibilité, la facilité à tout le monde de m'atteindre. Parce que je sais que après les réseaux sociaux, il y a une vie. Il y a une vie après les réseaux sociaux. Comme vous dites trop les vérités aux gens, ben moi je te dis alors ta vérité aussi aujourd'hui, tu es hypocrite. Tu es une hypocrite. Tu veux pousser les gens dans le trou quand tu dis que Bassa d'abord, tu n'es pas Bassa d'abord. Tu es allé chez la non-événementielle, elle est Bassa. Mais tu es allé t'asseoir là-bas, pourtant elle a insulté ta soeur Bassa. Elle a insulté ton frère Bassa. Elle a insulté ton frère Bassa ici.
Elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais tu es allé carrément, tu t'es assise, tu as mangé. Ça ne va même pas me surprendre si demain même, tu parles chez une autre. Parce que tu es une hypocrite, en fait. C'est ça. Tu es une hypocrite. C'est quand ça t'arrange. Tu ne peux pas venir dire que les gens viennent nous dominer sous nos murs. Qui est venu me dominer sous mon mur? Je gère mon mur comme je veux, comme je l'entends. Si quelqu'un appelle là maintenant que je dis que tu ne parles pas, tu ne parles pas. Si je dis que je te mets à l'antenne, je te mets à l'antenne, tu vas me taper. Alors si vous discutez le titre de blogueuse, et quand vous dites que c'est même Flore qui a fait connaître Steve Farr, la première personne avec qui Steve Farr fait le direct au Cameroun, c'est qui? C'est qui? Vous êtes sur la toile avec nous. La première personne avec qui Steve Farr fait un direct au Cameroun, c'était avec qui? Hein? C'était pas avec moi. Est-ce que c'était avec Flore? C'était pas avec Flore. Donc arrêtez-nous un peu. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Camerounais. Ne nous amenez pas dans ce clan-là. Moi, déjà, même, je ne pourrais même pas. Je ne peux même pas. Moi, je ne peux même pas. Je ne peux pas, moi. Parce que j'ai le moment ici que c'est chaud. J'ai mon fils Christian de Monaco. Il est doux. C'est un Yaoundé. Quand ça ne va pas, j'appelle mon fils. Aujourd'hui, il n'y a pas les courses pour tes enfants. Les parents sont doux. Les Yaoundé. J'ai vu. Mon grand frère, je ne vais pas le citer parce que lui, c'est une obligation souvent qu'il est obligé parfois comme ça. Il reste, il me dit, va, je t'envoie l'argent pour faire les courses de la petite. Il ne dit jamais que pour moi, il dit toujours que les courses des enfants. Et je n'ai pas trop besoin souvent de venir faire la propagande. Mais quand ça ne va pas. Donc, moi je dis, je suis Bamleke aujourd'hui, Bamleke demain, Bamleke après-demain, Bamleke jusqu'à. Oui. Je ne veux pas jeter mes enfants. Je ne veux pas jeter mes beaux-frères. Je me répète. Parce que ça m'énerve. Il est inadmissible que Perle, tu veux manipuler des vieilles personnes comme nous. Je vois souvent certaines personnes ici faire des directs. Ils ont le 100 vues, 150. Ils jouent au maintien. Il ne sait pas pour autant qu'il se décourage. Il se dit, il sait que un jour, je vais aller à 200, je vais aller à 300. C'est nayo, tu montes. Mais je déteste quand vous dites que j'ai perdu ma notoriété, j'ai perdu ma visibilité, je suis désolé. Ce n'est pas, on sait très bien que la visibilité sur la toile, c'est le clash. On le sait. Si tu es une vraie blogueuse là, tu vas comprendre ça. Je te donne les règles des blogueuses. Vous croyez que le jeune petit, mon fils, c'est le Apoutou. Vous croyez que les vues que les Makosso ont là, c'est les vues que les gens seulement regardent. Hein? Non, tout le monde peut faire ça. Moi, je suis une éternelle affamée. Je vais encore prendre mes 2 euros ou mes 7 euros que j'ai pour payer mon riz et ma tomate pour tourner mon riz sauté pour venir acheter les vues. Parce que c'est quoi? Parce que je vais être la meilleure blogueuse. Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. L'essentiel est que quand je fais un direct, faut aller regarder. Je fais un direct, j'ai 200 vues. Mais après, va voir le nombre de personnes, le nombre de partages. C'est ça qui compte. Ce n'est pas seulement qu'on va dire que oui, elle a fait le direct aujourd'hui, il y avait tel nombre de personnes. Non. Ma notoriété ne pourra jamais baisser. Ma visibilité ne pourra jamais baisser. Si vous discutez les visibilités, vous discutez les notoriétés sur la toile, Maléba ne discute pas ça. Maléba n'est pas là que Bamleke, Bassa, machin, nanani. Maléba n'est pas dans ce game-là. Tu veux aller dans ce game, va dans ce game. Mais je tiens à te rappeler que moi, la personne qui peut me donner le poison, c'est une Bassa. Parce que j'ai vu. Je reste comme ça, j'entends un direct où ma propre soeur Bassa est en train de m'insulter. Je lui ai dit que, hey, ça c'est quoi ça?
Seigneur, c'est une bassa qui m'insulte comme ça. Ah, je laisse je dis que, c'est-à-dire, c'est ça même qui me tuait souvent que je pleure. Je ne pleure même pas parce qu'on m'a insulté ou bien on est en train de me clasher. Je pleurais parce que j'entendais, tu vois, la fille parler, mais avec l'accent bassa, elle t'insulte. Elle est dans le direct d'une fille bamléquée et elle te lave. Vous me parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Les TKC même qui étaient avec moi avant, qui se sont retournés contre moi, c'était les filles bassa aussi, non? De quoi est-ce que tu veux nous parler alors, Perle? Moi, je venais juste te recadrer, te dire que je ne suis pas dans la manipulation. Si toi, ton choix sur la toile, ton travail sur la toile, c'est de dire que les bamis, comme tu appuies, c'est comme ça que tu appuies souvent ça, les bamis sont les bamis. Les quoi sont les quoi? Je suis bami, je suis quoi? C'est ce que je voulais te dire. Et que je ne suis pas la conquête de la visibilité. Et que j'ai une nouvelle vie. Je n'achète plus les problèmes de quelqu'un, de qui que ce soit. Le jour que je prends mon téléphone, comme là, j'ai suivi ton direct, je n'étais pas très d'accord, je suis venu te répondre. Chacun est libre. Nous tous maintenant sur la toile sommes des blogueurs. Chacun est libre de prendre sa défense. Si je vois un direct où on est en train de parler un genre de moi ou de mon enfant, je riposte si j'en ai envie. Si je n'ai pas envie, je passe dessus. Ne veux pas dire que j'ai peur. Parce que je ne peux pas avoir peur d'une femme comme moi. Et je tiens à rappeler encore un truc. Je ne suis pas une suiveuse. J'espère que c'est bien entré ce message-là. Je ne suis pas une suiveuse. Comme maintenant, les petits joues que j'ai là vous énervent. Les petites fesses qui sont un peu ressorties derrière. Vous n'aimez pas ça. Vous me dites qu'on clash, ta notoriété a baissé. Notoriété là, c'est l'argent alors. La visibilité là, c'est l'argent alors. Je veux savoir. Non, dites-moi. Parce que si c'était que c'était l'argent, ça, je suis toujours dans les combats. Quelqu'un veut me parler, même si c'est la nouvelle vie que j'ai. Il dit que, hey, stop, c'est mon gagne-pain. Comme toi, par exemple, tu as fait ton direct. Tu as eu combien, maman? Non, je veux savoir. Je veux bien savoir. Moi, je dis et je redis encore. Je suis ferme là-dessus. S'il te plaît, Perle, quand tu veux parler des autres, quoi, parle de tes quoi, mais ne parle plus de mon quoi, moi. Pardon. Parce que je suis quoi, Bamleke. Je te donne mon titre aujourd'hui. Je suis quoi, Bamleke. Vous avez vu mon enfant ici, là. Mon homonyme ici, tout le monde, Mbo, Mbo, comment tu vas, Mbo, 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 vous croyez que Mbo est d'où? Hein? Pardon. Je m'appelle Maleba Perpétue Morgan. C'est mon nom. Donc, pardon. C'est bon pour aujourd'hui. Voilà la visibilité que j'ai eue là. Comme c'est la visibilité que vous discutez, je vais avoir combien là-dedans? Je vais avoir quoi dedans? Les gens discutent le titre de blogueuse. Oh, pourquoi? C'est l'autre qu'on est toujours en train d'appeler qu'elle est là. Mais c'est parce que, mon frère, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est libre d'aller où il veut. Si on dit aujourd'hui qu'il y a un casting des meilleures blogueuses, maman, lèvez-vous, partez. Et arrivez là-bas, chacun va, on va faire le choix. Pourquoi ça a poussé? Voilà la non-événementielle qui a commencé ici que, oh, elle va monétiser sa page. Ça a dépassé. Elle est venue seulement qu'elle passe son temps, seulement que zéro paix. Elle insulte les gens seulement. Voilà son titre sur la toile. Ce que j'ai là, ça va me coûter quoi? Ça va me donner quoi?
Hein? Ça va me donner quoi? Donc vous croyez qu'une femme comme ça va venir me dire que oh, zéro paix. Non, on va l'écouter qu'elle n'existe même pas. Par moment, quand on va me répondre à celle-là, c'est parce que bon, on s'ennuie parfois, on n'a pas de sujet. Vous croyez que si j'ai un vrai sujet là, je vais venir parler, je vais même prononcer que non événementiel. Pendant combien de temps ici, ces temps-ci là, elle me traite de tous les noms là. Est-ce que je gère ça? Je vous ai dit que c'est une femme frustrée, elle est seule. L'hiver a commencé, il fait froid. Qui va l'assumer? Quel est l'homme qui peut assumer ce genre de personne? On met les petits clochards qu'elle amène là chez elle, là, souvent fumer leurs trucs là. Qui va l'assumer? Qui? Vous savez ce que une femme qu'un homme assume? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vas-y. Alors à ce moment-là, tu dois te comporter en tant qu'une femme qui vit avec quelqu'un ou qui vit avec ses enfants. Oh mon Dieu. Vous aimez souvent tendre les nerfs aux gens pour rien. Coucou Annabelle. Comment tu vas mon frère? Bon, je vais vous laisser un moment, mes nerfs commencent à s'étendre là déjà. La maladie là, je vais voir mes effets avec. La paix si vous fait mal. La paix. Le 9 et le 10. Tadam, tadam. Il va t'asseoir alors. Voilà ça. C'est ça qui est ça. Je marche avec ça partout. Partout où je pars, j'ai ça. Elle nous montait son trophée ici tout le temps, non? Flore était là partout, elle partait, partait son trophée. Voici ma part de trophée. Hein? Voici ma part de trophée. Partout où elle part. Dès qu'elle fait le direct, elle a son pourri trophée là, elle pose comme ça. Voici ma part de trophée maintenant. Et ça. Et c'est le meilleur trophée. Voilà ça. Vous avez compris, non? Voilà. Vous voyez tous les gens. Vous voulez clasher, clasher là-bas, là. Vous m'allez aller dans les clashs. J'ai dit ça. Ça qui est ça. Moi, je fais ça partout. Je dors avec, je pète pas partout avec. Quand même dit que... Les petits sœurs ont tendance à nous manquer de respect. Arrêtez ça. Voilà, on pose ça comme ça, regardez. Tindin, tindin, tindin. C'est ça qui vous énerve. C'est ça qui vous énerve là. C'est vrai que la paix, on a dit qu'on est que pour la paix. Donc celui qui va appeler pour dire quelque chose, il n'a qu'à appeler. C'est ça qui est ça. Bassa. Qui n'est ce belé Bassa? Bassa va y en j'ai. Le Bassa ne chie pas aussi. Donc quand on est Bassa, on ne chie pas. Amen, quand même, ne chie pas. Il est Bassa, non? Hein? Mais il n'est pas amoureux des filles. Pourquoi il n'épouse pas une fille Bassa? Pourquoi Amen, quand même, n'épouse pas une fille Bassa? Il tourne derrière les filles Betty. Il tourne les filles derrière les filles Bamleke. Pourquoi il ne peut pas épouser une fille Bassa? À ce moment, il est au pays. Qui cherche alors une fille Bassa? Parce qu'il connaît Sanga. Sanga actuel, je connais. Vous avez vu Amen Kamé avec une fille Bassa? Où? Vous avez vu Amen Kamé avec une fille Bassa? Hein? Il tourne là derrière les filles, quoi. Les filles Bamleke, les diems, quoi. Venez pas nous donner le mal de tête. Nous amenez pas au système là. Donc, mettez le numéro là-bas. Si quelqu'un va appeler pour dire ce qu'il veut dire, il dit. C'est même quoi que les gens sont là nous embrouiller. Eh bah ça, eh bah ça. Quand je suis malade ici là, j'ai vu une fille Bassa m'appeler. Quelle est la fille Bassa qui m'a appelé? Merde. Il y a Dikoma Mugu. Dikoma Mugu ici, un moment, il s'est fâché parce que j'ai fait la paix. Dikom s'est fâché.
Il dit que, comme il appelle toujours Flo, que la chuteuse de nom ou la voleuse de nom, comme il appelle souvent là. Bon, moi j'aimerais que vous m'appelez un peu Dikoma Mugula. Il faudrait qu'il écoute un peu ça. Parce que apparemment il est pour un combat, mais il valorise les prostituées, Dikoma Mugula. Parce qu'il a dit ici, j'ai dit que la prostitution n'est pas interdite, mais il faut, hein, on ne fait pas la propagande. Il faut le cacher. Parce que les familles qui nourrissent leurs familles, qui nourrissent les, c'est-à-dire les descendants par rapport à ça. Et je ne peux jamais insulter quelqu'un qui fait ce métier-là. Mais je veux qu'on respecte ce métier. Et celle qui fait ce métier doit respecter ce métier-là. Ne pas venir faire la propagande. Parce que il y a un moment ici, nous tous, on en a pleuré ici, qu'on disait que tu fais la coiffure, tu passes, parce que tu es habillé un genre, on dit que les vendeuses de piments, c'est les Camerounaises. Et à la dame qu'on appelle coach là, une fois elle faisait son direct ici, et il y a une dame qui a appelé, qui a dit que elle est de quelle origine, et puis la femme qui lui a pris le mari, c'est une Camerounaise. Et regardez la réputation qu'on nous donne, on donne les mauvaises réputations. Elle a dit, mon coach a dit que, ah, c'est une Camerounaise, oublie. Oublie. C'est pour ça, c'est le combat que j'avais toujours amené ici. Que, mais Dikoma Mugu s'entend bien avec la personne qui fait la propagande de la prostitution sur la toile. Il valorise cette personne. Il idolâtre même cette personne pour plus le dire. Il idolâtre la personne là. Ce n'est pas que vous allez détester une personne, vous valorisez ce qui n'est pas bien sur la toile. Ça, c'est un combat que j'ai toujours mené ici. Je suis venu parler ici de ça quand ça a commencé au début. On m'a cassé. On a dit que tu dors sur le pont. Jusqu'à ce que la personne m'a dit qu'elle m'héberge. Elle devait m'héberger. Parce que je suis venu vouloir casser ce rythme-là. Mais Dikoma Mugu valorise cette personne. Donc, c'est-à-dire que Dikoma Mugu valorise la prostitution. On est bien d'accord. Il aime ça. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que moi, j'étais venu dire que la femme africaine, c'est une entrepreneur, c'est une femme qui travaille, qui fait si, qui nettoie les fesses des malades, qui lave le sol, qui est avocate, qui est médecin, qui est tout. Mais non, Dikoma Mugu a dit que sa personne, mon frère, c'est ici que j'ai vu qu'on vend le piment jusqu'à ce qu'on a les cartes bleues. Ma bouche, si. Ce n'est pas le clash, je parle, on cause. Je ne suis pas en train de clasher, je parle seulement aussi de ce que je vois. Parce que Dikoma Mugu avait dit cela que ma visibilité a baissé. Allô? Bonjour. Tu veux intervenir dans le direct? Ça va. Ah, merci. Ah, oui, je le connais. Comment tu vas? Comment va la maman? Oh, merci. 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 Dis-lui, fais-lui un gros bisou de ma part. Dis-lui qu'un gros, gros bisou. Longue vie à elle. Longue vie, vraiment. Merci. Merci. Merci, merci, ma chérie. Ok. Bisous. Merci. Merci, pareillement. C'est une TKC avec qui on était en Bretagne, qui est très contente. Elle était mariée avec sa maman le jour-là. On a dansé. La maman, c'était trop beau. Donc, on s'est bien amusé. Donc, la vie, c'est quoi? La vie, c'est rien. La vie, c'est rien. C'est vrai qu'on a des moments où on a envie de faire un peu de buzz. On a envie de déranger un peu. Mais franchement, il faut arrêter. Un moment, il faut arrêter.
Moi, quand on parle, je vois par exemple, on entend parler d'un sujet et que je ne me reconnais pas dans ce sujet-là. Je ne parle pas. Puisque dans son direct même, il y a une qui a appelé, qui a combattu, qui a dit non, maman Perpée, elle intervenait et elle n'aimait pas quand la fille intervenait pour moi. Ça ne la plaisait pas. Parce que quand la fille appelait pour intervenir pour moi, elle n'était pas d'accord. Ça l'énervait. Donc elle voulait seulement qu'on appelle pour dire que oui, j'ai tort. Non, nous tous maintenant, je n'achète plus le problème de quelqu'un. Je ne suis plus là pour acheter les problèmes de quelqu'un. Ça ne va pas là. Je prends un dossier si ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas là. Je quitte. C'est ça qui est ça. Et c'est ça qui sera seulement ça. Un dossier qui ne me plaît pas, passe mon chemin. En bon entendeur, je vais vous laisser. Je vais aller boire le Fevex parce que là, c'est en train de me prendre déjà un peu plus fort là. Je vous aime. Je dis bien encore, ce n'était pas un clash. C'était juste pour recadrer. Pour recadrer certaines choses. Ce n'est pas un clash. Donc maintenant, celui qui prend ça à sa façon, Maliba n'est plus là. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous aime. Je vous embrasse. On est ensemble. Faites aussi des directs. Nous, on va partager. Et quand on va aussi solliciter les blogueuses, quand on va vous inviter, ne nous invitez pas aussi. D'accord?